Alors les CP, nous allons commencer la lecture de Splat, Adore, Jardiner. ER, ça fait le son E. Donc, on va lire l'histoire. C'est bientôt le printemps. Je rappelle que IN, ça fait le son 1. Donc, P et R, ça fait print. E et M, ça fait en. Donc, E et N devient E et M devant M, B et P. Donc, c'est bientôt le printemps. Le printemps, c'est une saison qui est après l'hiver et avant l'été. Mais il pleut. Regardez, Splat, il ne regarde pas la fenêtre, il pleut. Splat s'ennuie. Harry, souris, entre dans la chambre de Splat. Vous vous souvenez que AN devient AM devant le M, le B et le P. Il a une drôle de graine. Donc je rappelle que AI, ça fait le son E. Donc nous allons le voir cette semaine, environ mercredi et jeudi ce son. Je me demande ce que c'est, dit Splat. Pour le savoir, il faut que la graine pousse. Il faut planter la graine, dit Harry souris. Mais je ne sais pas comment planter une graine. Donc je rappelle que R, ça fait le son E, E, N, le son en, O, M, on. Donc, bah, comment, AI, le son est, displate. Et toi, Harry souris. Donc, Harry apporte une graine et Splat voudrait bien savoir c'est une graine de quoi. Donc, il faut planter la graine. Mais on ne sait pas comment planter cette graine. Il ne sait pas du tout. Donc, il demande à Harry souris. Et toi, Harry souris. Non plus, répond Harry souris. Allons à la bibliothèque, annonce Splat. Donc pourquoi Splat et Harry souris veulent aller à la bibliothèque? Qu'est-ce qu'on trouve à la bibliothèque? Des livres. Alors, est-ce qu'un livre peut aider à planter une graine? Oui, un livre documentaire peut expliquer comment on peut faire germer une graine ou voilà, faire pousser des plantes. Donc, il se dirige vers la bibliothèque. On lira la suite jeudi. Donc, vous relisez tout le texte. Il n'y a pas de difficulté. Il faut juste retenir que AI, ça fait le son E. Sinon, tous les autres sons, vous les connaissez. Et, ah oui, souvenir que ER à la fin des mots, ça fait le son E. Et maintenant, vous allez pouvoir écouter la vidéo de Frédéric pour faire les questions. Et on va sûrement s'inspirer de Splat pour nous aussi faire pousser, faire germer des graines. Nous allons voir ça en science un peu plus tard. Donc, vous relisez, vous faites les questions et on se retrouve jeudi pour la suite de l'histoire.